Aujourd'hui, je vais dormir dans un escape game. Mais je suis pas tout seul, je suis avec Tsuku et Raven. Pour bien vous mettre dans le contexte, on est dans un escape game de Jurassic Park. Là, on est dans les locaux de Genesis Lab, un laboratoire scientifique. Aucune nouvelle des scientifiques qui bossaient ici. Ils étaient quatre, il n'y en a plus aucun. Mais il faut qu'on trouve la tente, salle de couchage, tout ça, parce que sinon on dort sur le sol, les gars. Vous l'avez compris, le but final de cet escape game, c'est de trouver l'équipement et la tente pour pouvoir dormir. C'est quoi, c'est une batterie? Tout me fait peur, tout me fait peur. C'est vert. Vert. Il là? Oui. Sa mère. Tiens, je te jure, je lui mets une patate de foie. J'ai peur. Eh, regarde, je mets mon vrai code de cordon bleu. Ah ouais? Ouais. Moi, je te mets le vrai, gars. Non. Autonomie, 59 minutes. On a une heure pour sortir d'ici. Les gars, merci à Escape Lab de nous avoir invités. En plus, ici, c'est leur nouvelle escape game en mode Jurassic Park. Et c'est une dinguerie, on n'a pas encore fini. Je vous invite à aller sur leur site pour voir tous les escape games qu'ils proposent. Vous voulez venir avec vos potes, en famille ou quoi? C'est dans Paris et c'est génial. Il y a marqué, Tsuku doit mettre la blouse. Toi, tu dois pomper un truc, ça, c'est sûr. Faut pomper des concepts YouTube, non? Anto? C'est un bâtard. Il est allé dans une porte. Anto, t'es où? C'est un bâtard. Les gars, venez, on se concentre, il faut qu'on trouve un nombre. Attends, mais y'avait pas un code tête dans la chemise là? Frère, t'avais une clé dans ta blouse! T'avais une cambouche, tu l'as mise! Le truc, ah oui, on parle de ça, La base de survie est attaquée. Ça gonfle! Ouais, ça marche! Encore, c'est bien les gars, en vrai, ça avance bien de fou! Wesh! Bouclier sécurisé! Sa mère, mais c'est quoi le bordel? Ouais, les enceintes de fou! Alors merci au sponsor Bose qui met toutes les enceintes. Morphine indisponible, moi j'ai le truc de la morphine. C'est parce que je suis perdu. Tu te souviens du nom du dinosaure qui était en train de s'échapper? Ouais, Raptor, ouais. Frère, il est en TMH, lui, vient de faire la... Oh, bah tiens, regarde, je sers à rien, moi. Il a repris le truc au hasard, il a trouvé. Ça ressemble à quoi, Triceratops? Comme ça. Il fait du piano, Gilbert Montagnier. C'est des bâtards. Quoi, ils sont allés où? Ça se fait pas. J'ai trop peur de cette salle. Ah, on a le droit d'y aller? Bah oui, elle s'est ouverte la porte. Ah bon? Mais wesh, c'est la voiture de Michou. Oh, on a MG. Les gars, la tente, elle est à l'intérieur, regardez. Ouvre la voiture. Raptor semble d'avoir quitté le toit de la base. Les gars, y a un truc à faire, c'est sûr. Clé à prendre, mais non. Oh putain. J'ai des gouttes sur la gueule. Tu l'as prise? Ok, je mets la clé dans la serrure. Vas-y. Ok, frérot. Vas-y. Oh, faut scanner. Oh. Nom de famille, Négri. Putain, c'est écrit où son année d'entrée à cette là. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez tout pété là. Oh, il y a un putain de dinosaure. On dirait un cheval. Ah, je pense qu'il faut peut-être qu'il faut lui donner une donos. Oh, c'est vraiment lui donner, je crois. Mais donne-lui, t'es un ouf, il peut pas manger maintenant. Ça pète vraiment. Arrêtez de le taper. Mais donne-lui. Oh, trop mignon, Denver, il a donné les clés. Oh, on a la clé de la fago. Vas-y, monte. Allez, montez, bande de sales gosses. Non. Copyright. C'est quoi ce putain de délire? C'est quoi cette journée, là? Vite. Putain de merde. Bon, les gars, avant de s'installer pour dormir, on a faim, on va faire une petite commande, vous êtes chaud? Ah ouais, frérot, le Moi, j'ai un burger smash. Non, les gars, moi, j'avais envie d'un hot tacos, vous êtes chaud? Ça vous va ou pas, hot tacos? Vous aimez bien? Non, moi, je vais prendre le burger de. Non, mais. Tu n'as pas le choix, on dirait. Si, on commande hot tacos? Mais qu'est-ce qui. Y'a rien, les gars, je suis gentil, on commande. Il est devenu tout excité, mais c'est un malade. Mais vous êtes démêlés. Pourquoi t'as choisi hot tacos? Qu'est-ce que c'est? Bah, rien, les gars, au bout d'un moment, non, y'a pas d'OP. Merci beaucoup à hot tacos. Vas-y. Commande. En fait, vous avez commandé, mais les yeux fermés, les gars, au tacos. Alors, ici, il y a poulet mariné. Ici, il y a viande hachée, normalement. Ouais, c'est ça, frérot. Tender. Ouais, c'est ça, frérot, t'inquiète. Là, maintenant, c'est sauce au choix. Vas-y. Mais t'es un gros bâtard. Pourquoi il fait le bon à vouloir nous commander à manger? Là, moi, je suis en train de manger un truc, de toute façon, je vais m'étouffer. La cam, elle est à droite, frérot. Voilà. Vous les abonnez tantôt. C'est bon? Voilà, vas-y, tu descends. Tu sais que là, je l'ai regardé avec le regard de la haine. Ouais. Je suis dégoûté. Je veux un burger smash, moi. C'est à toi, mon frérot. T'as tes deux viandes, c'est bon. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Non, en vrai, t'as pris un bon truc. Ouais, ouais. Attendez! Tu m'as descendu? Dégueulasse, c'est dégueulasse! Ok. C'est bête? Là, t'en as une. Vas-y, j'en mets une deux. Non, c'est pas aussi bas. Et là, appuie deux fois. Où? Mais appuie une fois, c'est bon. T'es un bâtard, t'as juste fait ce que tu voulais exprès, donc. Non, vraiment, pour le coup. Parce que t'as fait un choix de gueulement.
Non mais là tu non, sors de la page. Non, ne continue pas, tu vas sortir. Arrêtez de m'énerver. Voilà, là t'es dans le bon sens. J'en ai pris un. Oui. Mais comment il peut... mais comment tu fais? T'as les sauces là. T'as toutes les sauces. Okay. Non mais là tu sors des sauces. Voilà. Attends, non, attends. Parce qu'il t'avait mis une. Là je te mets ça et là c'est bon, t'as fait tes deux. Ouais, c'est bon. Mais les gars, mais j'ai pas appuyé. Si c'est bon, vas-y. Non mais j'ai pas appuyé. Bon les gars, en attendant que la commande arrive, ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va manger les pires mélanges. Let's go. Allez, let's go. Eh bah le tacos quoi. Qui là? Non, on va vraiment goûter les pires mélanges tout de suite là. On se met dans la voiture, on fait quoi? On regarde un truc? Non, on va goûter les pires mélanges là tout de suite là. D'accord. Ah, horrible. Mmh. Ah pardon. Sincèrement. Ah, Grégoire. Non, t'as bu. Surtout que t'as pas testé. C'est super bon, mec. Ça c'est bon. Ouais, mais t'as pas mis de Nutella dessus quoi. Bon. T'as vu comment c'est bon? Ouais. C'est une dingue de fou. Tu n'aimes pas. T'as goûté vraiment ou pas? Oui. Oh, c'est bon. Vas-y, regoute vraiment. Mmh. C'est bon. Arrête, c'est trop bon, frère. Le sucré salé mélangé, c'est une dinguerie. Vas-y, regoute, reteste un peu. Non, mais tu veux juste me baiser. Non, mais c'est trop bon. Moi, j'adore. Tu vois bien depuis tout à l'heure, je regarde, ça arrête plus. Attendez, mais je vais devenir fou. Depuis le début, je souffre dans cette vidéo, en fait. En plus, on est obligé de croquer dedans à la main parce que, frère, tu peux pas le couper. Arrête, au cinéma, c'est une dinguerie monumentale. Tu sais que même dans mes propres vidéos où je goûte des pires mélanges, c'est pas aussi dégueulasse. C'est comment? C'est pas un chocolat au calva ou je sais pas quoi là? Un tout petit... Oh, je peux pas manger ça. Non, fini. Il y a mes orteils, ils sont comme ça. Get sa mouche depuis tout à l'heure. Avale. Non, c'est même pas ça, c'est qu'il a rien. Il a pas encore goûté. Depuis tout à l'heure, il fait genre il a goûté, il a rien goûté. En vrai, le pire du pire, c'est le chocolat. Le chocolat, il est dégueulasse. Avoue, il est. On dirait la menthe, je crois, le chocolat. Non, mais comment tu vas dire ça et pas les chips au Nutella? Les chips au Nutella, c'est infect. Non, ça, 10 sur 10 chips au Nutella, ça, c'est moins 5 sur 20. Ça pue la mayo, j'ai envie de me foutre en l'air. C'est des trésors de Kellogg's avec de la putain de mayonnaise! J'adore. C'est bon ou pas? En vrai. Ouais. Esprit shonen, y'a pas de ralenti. Alors c'est moins pire que ce que je pensais, non. Mais gros, ça reste dégueulasse, non. Mais j'y retourne. Mange-moi la mayonnaise là. T'as vu prendre l'intérieur où il y avait rien? Ça va être super bon! C'est super bon. Mais c'est vraiment super bon. Bah oui, non mais c'est sûr. Ça se marie trop bien. Non vraiment, c'est pas une vanne. Il faut juste un petit fromage à côté. Non mais prends plus même. Ah j'avoue. Mais regarde. C'est pas dégueu. Regardez les amis, j'y retourne x 1000. Avez-moi, regarde comment ça. Si gros, peut-être pas quand même autant. C'est super drôle comment tu es. Peut-être pas quand même. Gros, t'as abusé là. Non. Les gars. Moi j'ai toujours les orteils pliés quand je goûte. Je vous dis sincèrement, j'adore manger des trucs qui vont pas ensemble. Ça je pourrais pas manger parce que en fait c'est des Haribo et du ketchup. Et surtout que dans mes trucs, dans mes vidéos là, je mange trop de trucs au ketchup. Et regardez crocodile. C'est pas bon du tout. Mais tu sais que moi mes orteils ils sont comme ça. Attends, ils sont pas comme toi. Moi je fais un nœud, je suis comme ça genre. Depuis tout à l'heure je suis vraiment comme ça. Bizarre hein. J'ai l'impression de manger des tomates. Ouais, c'est d'accord, c'est bizarre. Tu fermes ta gueule et tu manges. En tout coup, la vie de ma mère, je te vois. Vas-y, on mange là. Voilà, c'est bien. On va ensemble au bout, les gars. C'est tous les trois ou personne. Voilà. C'est quoi ça, chef? Non, je comprends pas ce que tu veux me dire là. Articule, quelque chose. Je salive. Pourquoi vous avez pris des patates? Assieds-toi, c'est un fruit. Attends. Ah, ça m'a dégoûté. Tu peux pas fermer sa gueule, l'autre, là. Les orteils. Guette comment il a gonflé, guette comment ça gonfle. Ah, ça me dégoûte. Il pleure sur cette banane. Ah oui, j'avoue, tu pleures bien, frérot. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les petits tacos et après, on va pouvoir se régaler. Mais je ne vais pas me régaler, en fait. Oui, le pire, c'est que vous savez ce qu'il y a dans mon tacos. Et regardez maintenant, tout de suite, regardez la tête de Tsuku quand il goûte son premier croc de tacos, là. En fait, les gars, il fallait en manger le ketchup parce que je vais pas le manger, le tacos. Voilà, on a atteint le paradis finalement. Ok les gars, les tacos sont livrés. Personne n'est heureux, ça sent super bon mais personne n'est heureux. Ok, on va commencer. Oh, je dirais que je vais aigrir toute la vidéo. Là, tu te souviens, il avait pris quoi comme viande lui ou pas? De poulet. Ah, c'est les abonnés qui me demandent de... Ah, ils me disaient la même chose. Ouais. Ah, moi aussi, ouais. Bah abonnez-vous, oui. Abonnez-vous. Ah, d'ailleurs les gars, dans la description, il y a leur chaîne aussi. Abonnez-vous à ma chaîne, on en route vers les 500 000 abonnés, vers le million d'abonnés, tout ce que tu veux. Si. Je viens de passer 140 000. Toi, tu as poulet nature, poulet mariné. Mais je n'aime pas ça, mais... T'aimes pas le poulet? Choisis la sauce. La sauce, c'est ketchup.
Ça va, c'est bien, ouais, le ketchup. Pas, non, mais le tacos. Alors, toi, alors je te le dis, hein, je préfère le dire, il a fait le chien avec toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, j'ai fait le chien, je m'en fous. Toi, t'as deux poulets nature. Ah. En sauce, tu as, et ça, je l'ai vu, sans sauce. Moi, par contre, j'ai tenders, cordon bleu, curry. Tu casses les couilles parce que t'as le meilleur taco. Curry. Frère, ah non. En vrai, c'est pas dégueu. Curry, je suis... ça va. En vrai, non, ça va. Je suis tenders sans sauce, c'est vraiment un pavé sans sauce. Non, mais attends. Et oui, il y a la sauce fromagère, donc ça va en vrai. Ah ouais. Mmh. Allez, on y va. Vivé. Bon app, les gars. Est-ce que c'est bon du coup? pardon, je suis désolé. C'est moi qui ai vraiment qui t'ai fait cliquer sur sans sauce. Non, mais il a le meilleur taco, ça. Il a du goût en fait. Pourquoi le gâteau il était sec? En vrai, les gars, il fallait manger le ketchup parce que je vais pas le manger le taco. À ce point-là? À ce point-là. Il me casse les couilles, il est trop bon ton truc. Faut pas gaspiller pour un déchet. Vraiment, tu vas pas le manger? Le ketchup me dégoûte le goût. Par contre, il est pas si mauvais, je te jure que le ketchup est bon. Petit récap, il ne veut pas manger son tacos, il m'a ruiné le mien, mais il se tape le meilleur. Mais j'avoue, en fait, il a niqué tout le monde. Mais celui qui a le meilleur, mais ouais, c'est quoi cette strat de merde? Je suis sûr qu'en plus, il peut le manger, il en rajoute, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Attends, t'es en train de rigoler là? Je suis sûr, il nous l'a mis, il aurait pu le manger. Bon, on va manger, on se retrouve après. Frère. Il casse les couilles. Mais ferme-la! Est-ce que vous ressentez la fatigue? On est mort. On va dormir. On va dormir. Voilà, oui, on va dormir. Ça, on se lève à 6h30. Oui, ils vont même pas voir le jour. Non, mais les gars, on doit se lever, on doit partir. Oh. 6h30. Oh. 6h30, on se lève, il fait nuit. On à la base, les gars, dites-vous, on pouvait faire. On pouvait dormir jusqu'à 10h, tranquille. À de tout à l'heure. Bisous, les gars. Ouais, bonne nuit, à demain. Bonne nuit, les gars. À tout à l'heure. Il casse les couilles. On entend les T-Rex, on entend les trucs de fou. Non mais vous savez qu'en vrai de vrai, je sais pas pourquoi mais le putain de T-Rex dehors là, que il crie, mais on sait même pas pourquoi. Ça va, vous avez kiffé le petit... Ferme bien ta gueule en fait. En fait il y a un moment, faut que tu fermes bien ta gueule. En fait j'ai le flash dans la gueule, je vois même pas où est l'objectif. Non en vrai c'est une expérience... Mais je vois pas ton doigt. C'est une expérience de fou ça. En vrai c'est trop mignon là comment on est. On est bourré de fatigue. Et là la séquence d'après vous allez pas voir mais on va se pomper. On va se pomper l'air quoi. Ah ouais, rien à voir. Ok. Et vous savez qu'en plus, il est pas fini sa phrase. T'as vraiment pas fini ta phrase, chef. Les gars. Explique-leur s'il te plaît. Non, la mais tu voulais dormir, sauf qu'il y a le T-Rex qui fait que se déclencher, mais le T-Rex se déclenche uniquement par un détecteur de mouvement. Exactement. C'est pas normal, il a dit. C'est ça qu'en fait. Le truc qu'on vous a pas expliqué, c'est comme il a dit en tout, en fait, le dinosaure, il détecte les mouvements, donc c'est là qu'il s'active et tout. Sauf qu'on est tous en train de dormir. Et là, il y a le cadreur qui crie. Non, mais là, c'est pas normal. Mais pourquoi il crie? Wesh. Je vous dis, c'est à cause de ça. Non. Bonne nuit, les guys. Bonne nuit, les filous. Vous avez pas la laine. Il y a pas de... En tout cas, ça ronfle bien, hein, ce que je vois. Hein. Bon, on a dormi moins de 3 heures. Ça va, vous avez passé une bonne nuit? Moi de fou. C'était dur, hein? Mais je pensais pas que tes concepts c'était comme ça, gros. Vous avez kiffé sinon, en vrai, la soirée? Ouais, c'était vraiment trop. Le tacos, cool. Le petit escape game. Ouais, non. Non, en fait, non. Non? Ça, non. En fait, tout ce que tu viens de dire, il n'y a pas un moment où j'ai bien aimé. Il était où le plaisir au final? Pas, il était pas dans cette vidéo. C'est faux! Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à leur chaîne aussi dans la description. Petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires la prochaine fois. On dort où? Dans mon cul? T'es con? Con, mais c'est pas possible. Non? D'accord.